Salut à tous, on se trouve un petit peu en retard début février 2019 pour faire le petit bilan TCG 2018. Comme vous pouvez le constater sur la chaîne, il y a de moins en moins de contenu. Alors j'ai essayé de combler avec du jeu vidéo, tout simplement parce que je commence à en avoir un peu marre des jeux de cartes, tout simplement. Et du coup, enfin. Voilà, au niveau action, événements, j'en ai fait beaucoup moins, encore moins que l'année 2017, et pourtant j'ai pas fait grand-chose en 2018. Au niveau événements, j'ai fait février des initiations au coin des jeux à Troyes, donc à l'époque où j'habitais encore là-bas, où il y avait eu personne, c'était tip-top. Ensuite, il y a eu, il me semble, c'était en avril, on avait tenté de faire un tournoi Vanguard à Dijon, à Terra Ludica. Mais on n'était que trois, du coup, le tournoi bah, est passé. Et au final, je crois que le dernier événement TCG que j'ai fait, c'était les tournois à Strasbourg début mai. Donc le tournoi Bermuda Triangle le samedi. Je sais plus, ça devait être le 5, un truc comme ça, le 4 ou le 5, et le tournoi au Meltdown le lendemain. Voilà, donc c'était assez court niveau des events. Ça se limite à ça, et même en voulant faire le tournoi Yugi du Seiten, c'était quoi, le 14, qui n'avait pas de tournoi Yugi, donc je me suis retrouvé sans event sur la fin, mais voilà. Du coup, niveau tournoi, puis bon, faut savoir également que on voulait relancer des initiations à Vanguard sur Dijon avec le nouveau format. Le problème, c'est que la boutique qui nous accueillait, donc Terra Ludica, a fermé sans souffler sa deuxième bougie. C'est dommage. On était un peu triste à ce moment-là. Bon, le capitaine a retrouvé du taf derrière. On lui souhaite toujours, de continuer, de faire ce qui lui plaît. Donc voilà. Ensuite, au niveau des jeux, ben, vous avez vu qu'en début d'année, j'ai essayé de me mettre à Star Wars Destiny. J'ai trouvé ça chiant, possible. Qu'est-ce que... J'ai essayé de me remettre à Force of Will aussi, mais bon, par manque de joueurs, ça s'est vite arrêté aussi, hein, même que ce soit à Troyes ou à Dijon. Enfin, même... Je vois plus passer les events sur Dijon, donc voilà, c'est vite limité. Et il me reste quoi? Bah Vanguard, j'ai déjà tout dit auparavant avec les tournois. Ben, plus pour le fun que pour vraiment y jouer le TCG du joueur du grenier. Mais là, c'est vraiment plus pour le LOL que pour y jouer. Et en fin d'année, il y a eu un sursaut de Final Fantasy. Enfin, fin d'année, début d'année, là, 2019, de Final Fantasy TCG. Je pense que je vais me laisser tenter par un tournoi en février, ce mois-ci en février, pour voir ce que ça donne et on verra bien si j'accroche ou pas. Mais bon, c'est mal barré. Sachant que ben là, c'était quand jeudi 31, j'ai fait une soirée, il y avait une soirée avec l'ADMA TCG, mais en fait en TCG, en jeu de cartes, je veux dire, il y avait que du Hanafuda et du Magic, et en Magic c'était des petits decks montés un peu à l'arrache avec des vieilles cartes. Donc c'était pas oufissime. Si j'avais été sur le forum, je l'aurais su depuis longtemps et j'aurais amené du matos, mais voilà. Donc niveau TCG, je pense que la chaîne ne devrait plus tourner comme avant. Potentiellement, je ferai un peu de vidéo jeux vidéo, si ça vous plaît. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. Si ça vous plaît pas, dites-le également. Comme ça, je saurai à quoi m'en tenir. Et du coup, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus ou pas pour d'autres vidéos sur la chaîne. À ciao, bye bye!